En fait, ce qui est rageant, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de discussion. Ça n'a pas été forcément correct. Je pense qu'on aurait pu me contacter la semaine dernière. J'ai essayé de les appeler, personne ne répondait. Parce que voilà, j'étais inquiet de ne pas recevoir d'informations pour le skate américain. Moi, j'entendais des bruits de sanctions par rapport au Masters. Bon, ben maintenant, voilà, c'est fait. On déclare forfait. Il faut tourner la page et penser à la Coupe de Russie. Les Masters, même si c'est une compétition nationale, elle est regardée dans le monde entier, par le milieu du patinage, des juges internationaux, par les concurrents. Et donc, je voulais pas arriver au Masters en étant moyen et montrer une image pas très correcte. Donc, gagner ou pas les Masters, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'arriver en compétition et de taper fort. Voilà. Moi, je suis pas en conflit avec la fédération, je ne veux pas être en conflit avec elle, je ne veux pas être en conflit avec Didier. Donc voilà, j'accepte les décisions et on bosse avec Véro.